Alors, bonjour à tous en ce 9 avril 2020. Le dévoilement de ce code écrit que j'ai découvert dans la Bible, qui pointe actuellement dans les moments qu'on vit, nécessite certaines notions que je dois vous dévoiler. La première notion va être le dévoilement de la monnaie internationale qui vient rapidement sur ce monde. Alors, la dernière fois que j'avais produit des vidéos, avant celle d'hier, ça date de l'automne dernier et justement nous avions travaillé à l'intérieur du chapitre de Amos, le numéro 8. Alors je vais reprendre à partir de là et vous allez voir, ça va devenir encore beaucoup plus clair dans votre esprit dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Alors ici, je vais reprendre rapidement. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos? » Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue sur mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. » Alors, première notion, corbeille de fruits. La corbeille de fruits a été associée à la rentrée du peuple juif après la sortie d'Égypte, après qu'il ait erré pendant 40 ans dans le désert, lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, la terre promise, en Israël, eh bien, c'est au moment de la rentrée, si vous voulez, qui correspond à la fête des trompettes. Donc, la corbeille de fruits correspond. Bon, les Juifs vont utiliser la corbeille de fruits pour d'autres fêtes, mais principalement. Si on regarde au niveau technique, la corbeille de fruits correspond à la fête des trompettes. On voit aussi dans Deutéronome 26, lorsqu'ils sont rentrés après leur sortie d'Égypte, 40 ans après, ils sont revenus à la terre promise. On voit ici les textes, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 26, mais juste le début. Alors, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu choisi que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Donc vous avez la preuve, rentrer dans le pays, les premiers fruits mis dans une corbeille. Donc, on le voit aussi dans plusieurs articles, la fête des trompettes, le Rosh Hashanah, c'est vraiment la fête. Ils vont sonner de la trompette pour dire au peuple de retourner à la terre promise. Et donc, c'était un retour à la terre promise. Et vraiment, la fête des trompettes est associée à la corbeille de fruits. Alors, si vous avez un doute là-dessus, faites des recherches vous-même. Moi, pour moi, c'est extrêmement clair. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, dont Pierre Gilbert, et nous sommes à cette conclusion que la corbeille de fruits est associée en premier lieu à la fête des trompettes. Alors, donc, est-ce qu'il y a une preuve que c'est la fête des trompettes dans Amos, alors en dehors de la corbeille de fruits? La réponse est oui. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et ruinez les malheureux du pays. Ah, ruinez, on parle de l'économie ici. Vraiment, on est ciblé sur l'économie. Parce qu'ils ruinent. Mais qui ruine l'économie? On va le voir. Parce que cette prophétie-là nous donne tous les indices possibles. Et en passant, le Seigneur nous dit qu'il ne pardonnera plus à son peuple. Il parle au peuple d'Israël ici. Amos a une vision prophétique d'Israël dans le temps futur, OK? Donc, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le Shabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'EPHA, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Alors, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé, quand finira le Shabbat? On nous parle d'une fête associée à la nouvelle lune. Alors, la seule fête juive associée avec la nouvelle lune, directement, c'est la fête des trompettes. Vous avez une preuve qu'on ne peut pas se tromper.
on nous parle de la fête des trompettes et on nous dit que lorsque elle sera passée, parce qu'ils attendent qu'elle passe, ils vont faire un plan, ils vont débuter un plan de commencer à vendre le blé, à faire des transactions. Autrement dit, ce qu'on lit ici, c'est des transactions financières qui amènent à un plan de tromper et de rendre les gens, de ruiner les gens du pays. Et de, on va voir ici au verset 6, ça va plus loin que ça. Après avoir falsifié la balance pour tromper, on nous dit, on va acheter les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers et nous vendrons la criblure du froment. Alors ici, je vais vous le dire dans mes termes, prenez un pauvre qui ne lui reste que ses sous-vêtements souillés sur le corps, ils vont lui enlever ses sous-vêtements souillés pour les vendre sur le marché pour quelques pièces d'argent ou de peu importe. Ils vont aller jusqu'à là. Autrement dit, ils vont dépouiller complètement les pauvres gens qui ont presque justement rien actuellement. Alors, à titre de preuve, qu'ils ont attendu la fin de la nouvelle lune l'année passée, en 2019, ou enfin à l'entour de la fête des trompettes de l'année dernière, 2019, pour mettre en marche, si vous voulez, leur plan machiavélique de détruire l'économie telle qu'on la connaît, pour nous appauvrir et nous mettre totalement sous leur contrôle. Eh bien, je vais vous en dire rapidement, le COVID-19. Le COVID-19 a commencé en décembre 2019. Même si on entendait juste parler que c'était en Chine, c'était loin de nous, on était loin de se douter de qu'est-ce qui se passerait. Mais vraiment l'impact dans lequel on a commencé à vraiment se dire, attends un peu, ouf, il y a quelque chose derrière ça, ça a été en février cette année. Et ça, on va revenir plus tard là-dessus, mais je vais juste vous donner un peu de notion. Donc, on a aussi la preuve qu'ils ont mis leur plan économique de l'avant. Écoutez, un événement historique qui ne s'était jamais vu de toute l'histoire de la Banque fédérale de réserve. Même dans les temps anciens, nous n'avons jamais vu un tel mouvement économique qui nous démontre qu'ils ont mis sur le respirateur artificiel l'économie mondiale. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai discuté avec un frère qui est très fort en économie. Vous le connaissez, Réal Filiatro. J'ai déjà enregistré des vidéos avec lui. Il a aidé le ministère de plein feu à faire de la vidéo, de l'enregistrement, du montage avec sa femme, son épouse. D'ailleurs, je les salue. Eh bien, en discutant avec lui et d'autres personnes, il est clair que ce que la Fed a fait l'année dernière, à l'automne, et d'ailleurs on voit ici le titre que la Banque fédérale a injecté des centaines de milliards de dollars, ok, dans le marché depuis le mois de septembre, depuis la crise des taux du mois de septembre. Et ici, il explique dans l'article, voici pourquoi ça ne sera pas assez pour calmer les conditions économiques, si vous voulez. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voyez-vous, c'est daté du 30 octobre et on nous parle du mois de septembre. Et on vous parle ici dans Amos qu'ils attendent que la nouvelle lune soit passée, le Rosh Hashanah, afin de mettre en branle leur plan machiavélique. Alors, en plus, on a le fameux virus qui arrive. Et en plus, comme dans le même temps, on nous propose une marque, un vaccin avec un microchip qu'on va nous mettre à l'intérieur, que plusieurs chrétiens voient comme l'aube de l'arrivée de la marque de la bête. Et puis je peux vous dire d'avance que c'est effectivement le petit enfant de ce que la vraie marque de la bête va être. On est rendu là. Et tout est relié à un aspect économique. Et je vais vous montrer quelque chose que je voulais vous montrer il y a 6-7 mois, l'automne. Malheureusement, il est arrivé toutes sortes de choses. Je n'ai pas pu continuer cette vidéo-là. Mais oh, qu'elle arrive au point. Parce que l'impact de mon explication maintenant, avec ce qu'on vit, va prendre tellement plus de sens dans votre esprit. Préparez-vous. Ce que je vais vous montrer, c'est démontre la
précision phénoménale de la prophétie biblique. En fait, elle ne peut pas s'interpréter. On peut l'interpréter tant qu'on ne la comprend pas, mais lorsqu'on rentre dans l'événement prophétique, lorsqu'on la vit, on comprend dans les moindres détails qu'est-ce que on vit, a été prophétisé. Mais surtout, ce que moi je vois, c'est la précision dans les moindres détails qui font en sorte qu'on ne peut plus se tromper dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, ici, donc, je vous ai montré l'automne, prouvé, l'injection, ils appellent ça en anglais le repo. Ils ont mis, à tous les jours, ils mettaient des millions de dollars, des milliards de dollars. Et voyez-vous ici, je le vois ici, le repo, on parle du 17 septembre. Et après ça, ça a été jusqu'au mois d'octobre. Ça a été un vrai cirque, toute cette histoire-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez de toute façon. Donc, je vais fermer ça. Maintenant, je vais vous parler de cette partie-là ici. Nous falsifierons les balances pour tromper. Le mot falsifier est balance. Je vais vous montrer la définition de calibrer. Calibrer, ce que ça veut dire, c'est mettre au calibre voulu. Alors, le mot calibrer ici est indépendant de toute vertu. C'est-à-dire que vous pouvez calibrer pour tromper, vous pouvez calibrer pour être honnête, vous pouvez calibrer pour quelque chose, un appareil devienne performant. Et si votre client, vous ne l'aimez pas tellement, si vous avez un plan machiavélique, vous pouvez calibrer l'appareil en votre faveur. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes fournisseur d'huile à chauffage. Vous avez un gros client qui a une grosse maison résidentielle. C'est un de vos plus gros clients. Et vous calibrez l'appareil qui compte les litres de mazout que ce client-là va prendre dans une année de chauffage. Et lorsque vous le calibrez, vous pouvez faire une erreur de 5% de façon volontaire. Votre client ne le saura pas. Fait qu'à tous les litres que votre client consomme, il y a un 5% dans le fond qui est frauduleux. Et c'est un 5% de mazout de moins. Et donc, vous fournissez à chacun des litres 95%, un 5% qui manque dans le litre, dans le fond. Et vous mettez cet argent-là dans vos poches, c'est un 5% de profit additionnel. Comment le client va le savoir? Impossible qu'il le sache. Même s'il y a des organismes qui sont supposés là pour contrôler le calibrage, si vous voulez, l'étalonnage des appareils. Vous pouvez toujours être malhonnête et faire un calibrage qui est faussé. Donc, finalement, c'est une question de confiance. Mais je vous donne l'exemple que calibrer, finalement, ça ne veut pas dire que tout est toujours bien calibré. Vous pouvez calibrer au calibre voulu. Alors, on revient ici. Vous avez falsifié les balances pour tromper. Le mot falsifié ici peut être un équivalent de calibrer, mais calibrer faussement. Vous êtes d'accord? Parce que falsifier la balance, c'est-à-dire qu'on l'ajuste, on la calibre de façon frauduleuse. Alors, si je veux vous dire, j'ai 10 livres d'or en poids, ou 1 kilo d'or en poids, je veux la balancer, puis je veux que tu me donnes l'équivalent en argent de ce que je t'ai donné en or. Si je falsifie la balance, vous n'aurez pas le montant en argent prévu pour le poids d'or que vous m'avez donné, vous comprenez? Donc, falsifier veut dire ajuster, calibrer la balance pour tromper. Si la Bible est claire, c'est un calibre à l'avantage de quelqu'un. À l'avantage de qui? La Bible nous le dit. Parce qu'elle parle ici à son peuple en Israël et a dit, « Je ne lui pardonneront plus leurs agissements. » Elle dit, il y a quelqu'un, il y a des familles dans le peuple juif qui sont responsables de la falsification. Ils attendent que la nouvelle lune soit passée, donc ce sont des familles juives, quelque chose qui sont apparentées au peuple hébreu. Et là, je ne suis pas en train de condamner le peuple hébreu. On a juste à penser à la tribu de Dan, qui est une tribu sanguinaire qui a été bannie. On la voit nommée dans la Genèse, et lorsqu'on arrive dans le livre de l'Apocalypse, la tribu de Dan n'est plus là. Et dans la définition de la tribu de Dan, on nous dit que c'est de là que va sortir le serpent. Et le serpent, c'est l'Antéchrist. Alors, on va au dernier verset.
Et le Seigneur parle toujours de son peuple. C'est pour ça qu'il va vraiment le condamner. Il, le peuple juif, jure par le péché de Samarie et ils disent « Vive ton Dieu, Dan! » Vous l'avez ici, Dan est responsable de tout ce qui est falsifié dans l'économie. Et nous allons bientôt vous introduire à la famille Rothschild et les Rockefeller, qui sont deux familles juives. Et tout le monde dans le domaine financier qui connaissent ça vont vous dire que ce sont les familles qui contrôlent l'économie mondiale. Par toutes sortes, par leur puissance en argent, ils contrôlent les politiques du monde. Et c'est David Rockefeller qui avait dit, donnez-moi le pouvoir de contrôler l'argent d'un pays et je me fous de qui fait ses lois. Alors, ça en dit gros, c'est dans leur mémoire. Et les Rothschild, c'est la famille la plus puissante derrière tout ça. Et la famille Rothschild s'est elle-même proclamée descendant de la tribu de Dan. Alors donc, la famille Rockefeller, j'ai pas trouvé qu'elles sont de la tribu de Dan, mais je peux vous dire que j'ai trouvé que les Rothschild sont de la tribu de Dan. Et n'est-il pas étonnant qu'il y a environ une année, un petit peu plus, ils ont pris leur fondation, leur fiducie, la fiducie Rothschild, et l'ont placée sous la protection de la FMI. Parce que la FMI, c'est le Fonds monétaire international, c'est eux qui vont maintenant contrôler la monnaie internationale et tous les pays vont devoir rapatrier leurs prêts et c'est la fin. D'ailleurs, c'est pour ça que nos gouvernements actuellement se dépêchent de vous donner de l'argent. J'ai quelqu'un que je connais qui vit en Malaisie et la même chose, le gouvernement lui donne de l'argent. Restez chez vous, travaillez plus, tout est fermé, ils peuvent pas se faire couper les cheveux. Écoutez, c'est la même mode d'opération qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en France. En France, sont plus sévères, mais Macron, on va se dire que je pense que c'est un Illuminati avoué, là, juste de la manière dont il parle, c'est très peu subtil. Par contre, au Québec, notre premier ministre, il est clairement faisant partie des sociétés secrètes de la franc-maçonnerie ou des Illuminati, parce qu'il applique la devise Ordo ab Chao avec une précision incroyable. C'est de toute beauté, je l'applaudis. Donc, Ordo ab Chao qui veut dire mettre l'ordre à partir du désordre. Alors, il crée un désordre et ils nous mettent un ordre qui favorise l'avancement de leur loi. Alors, donc, si je reviens ici, falsifier la balance pour tromper, alors je vais vous dévoiler cette fameuse monnaie internationale qu'ils vont utiliser et elle est prête, haute technologie, pour justement fonctionner extrêmement efficacement avec le système 5G qu'on est en train de nous balancer dans la gueule à une vitesse grand V. Alors, on commence. Alors, roulement de tambour. On va falsifier, on va calibrer la balance pour tromper. Donc, falsifier, c'est calibrer, mais de façon mensongée. On peut dire falsifier ou tromper, c'est des synonymes. La balance. Alors, la monnaie s'appelle Libra. Alors, comme vous le savez, ceux qui ont suivi mes vidéos depuis des années savent très bien que j'ai parlé énormément d'astronomie. Et Libra, en anglais, veut dire balance. OK? Bon. Je rentre Libra ici et voyez-vous, la balance, la constellation de la balance, vous l'avez partout ici, la balance. Ça veut dire, c'est le signe du zodiaque Libra, c'est le signe de la balance. Vous voyez une personne ici qui tient une balance. Alors donc, vous voyez, c'est la balance, c'est un synonyme. Ils ont appelé donc la monnaie internationale balance. Donc, on nous dit qu'on va falsifier la monnaie internationale qui s'en vient. La balance va être falsifiée. Bon, je vous ai dit que falsifier, c'était aussi, dans ce cas-là, calibrer. Ils vont calibrer la balance de façon mensongère ou trompeuse. Alors ici, lorsqu'on retourne dans Libra, on nous dit que c'est un projet... Permission blockchain, OK? Lorsqu'on regarde ça ici, je vous mets mon petit curseur dessus, vous apparaît des tableaux ici que vous voyez. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que de l'information électronique
tellement digitalisés que vous ne pourrez pas échapper. Ils vont suivre toutes vos transactions d'une façon qui ne s'est jamais vue auparavant. Alors donc, si vous êtes, vous allez voir que d'ailleurs, tous les hommes riches de la planète, les compagnies clés, Visa, Mastercard, tout ont endossé le projet. Et le projet a commencé avec Facebook. Facebook, alors vous connaissez que Facebook, c'est une plaie sociale. Oui, c'est pratique. D'un autre côté, ils suivent toutes les informations de ce qu'on fait. Mais là, ça va aller à un niveau supérieur. Parce qu'avec ce qu'on appelle le blockchain, ou la chaîne en bloc, si vous voulez, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est que si vous faites une transaction en Libra, vous n'aurez pas le choix de toute façon, ça va être la seule monnaie disponible dans ce monde. Alors, cette monnaie-là, ils vont pouvoir suivre à la trace, ils vont avoir encrypté avec des valeurs numériques que c'est vous qui l'avez faite. Et la personne à qui vous avez envoyé l'argent, tout va être encrypté dans la monnaie. La monnaie, vous allez, mettons, envoyer 100 Libra à quelqu'un, 100 Libra. Bien, cette Libra-là va être différente de 100 autres Libra, pas en valeur, mais en identité numérique. Alors, ça prend un système extrêmement rapide pour pouvoir faire connecter tout ça, les téléphones des gens, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est la technologie qui va pouvoir faire en sorte d'améliorer l'efficacité de cette monnaie-là et la rendre vraiment rapidement disponible à toutes les personnes sur la Terre, eh bien, c'est le 5G. Alors, donc, ici, nous voyons le blockchain et je vais aller ici pour donner un peu l'historique. Ça s'est commencé à se discuter avec Morgan Beller en 2017 et ça serait un blockchain qui serait à partir de Facebook. Ben oui, parce que les gens, ils trippent là-dessus Facebook et ils taguent les gens. Moi, j'avais un ami, un moment donné, je l'avais invité chez nous, on écoutait un peu de musique. Un moment donné, le lendemain, je vois que mon nom avait été mentionné sur Facebook, comme quoi qu'à telle heure, tel poste, j'étais là en train d'écouter tel type de musique au moment exact, à tel endroit, telle adresse. Écoutez, j'ai été obligé de l'appeler et de dire, écoute, tu veux qu'on reste amis, premièrement, enlève ça. Deuxièmement, tu ne me refais plus jamais ça. Les gens prennent en photo et ils vont mettre ça sur Facebook, donc ta face apparaît. C'est une plaie sociale dans laquelle tout est permis et il n'y a aucune règle. Fait que vous pouvez prendre la photo de n'importe qui, puis ça a l'air que c'est illégal de prendre des photos de n'importe qui, vous n'avez pas le droit. Du moment que vous la mettez sur Facebook, tout est beau. Comment voulez-vous vous battre contre ça? C'est une plaie, cette histoire-là. Et évidemment, pour l'information aussi, c'est dépendant de ce qu'on fait. Mais je veux dire, Facebook, c'est vraiment quelque chose qui détruit des familles. Ouais, écoutez, Facebook, on sait que c'est la CIA, c'est un projet de la CIA au départ. Et c'était de ramasser de l'information sur les citoyens. Et c'était de façon électronique, mais pas directe. Là, ils vont venir avec encore plus d'identité électronique. La monnaie, ils vont pouvoir vous retracer et savoir avec qui vous avez transigé. Et ils auront des preuves immuables. Et pourquoi ça leur prend ces preuves immuables-là, électroniques? C'est qu'avec un méga ordinateur, dans une fraction de seconde, ils savent déjà que c'est fait. Fait qu'ils rentrent votre nom, ils savent tout le pedigree des transactions qui vont sortir. Donc, ça prend de l'identité électronique pour se faire rapidement. C'est pour ça. Donc, en 2017, après ça, Facebook Messenger, bon, ça a été jusqu'à. Ça s'est encore reparlé. Ça a été jusqu'en 2018. Après ça, Facebook ont confirmé leur intention d'aller dans ce domaine-là avec le Libra. Ça a commencé à vraiment se confirmer au mois de mai 2019. OK? Puis c'est global, hein? Global Coin, vous allez voir, c'est un projet mondial. Et Libra a été officiellement annoncé au 18 juin 2019. Ah, tiens, on se rapproche donc de la grande crise du mois d'octobre l'année passée, lorsque la Fed a commencé à injecter de l'argent, mais des milliards de dollars. Et, vous êtes capable de lire ici un peu en anglais, sinon, de toute façon, je vais vous la traduire. Et la projection de lancement, ça, cette information-là est disponible depuis 2017 environ. OK? Je l'avais lu, ça fait longtemps.
Mais ça fait peut-être un an que je suis au courant de ça, et c'est justement Réal Filiatro qui m'a parlé de ça. J'étais bouche bée, parce que justement, à cette époque-là, j'étais en train d'étudier à Amos 8. Il le savait, il m'est arrivé avec ça. Et donc, la première version, ou si vous voulez, le lancement officiel de Libra est prévu, a toujours été prévu pour l'année 2020. Et qu'est-ce qui se passe? On nous parle déjà de 5G qui... En passant, 5G, là, le réseau s'installe à très grande vitesse. On vous dit de rester chez vous parce que vous allez propager un virus, vous allez vous tuer, vous êtes un criminel si vous vous approchez en plus de 2 mètres d'une personne, si vous travaillez, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'aller voir vos enfants qui restent dans d'autres villes, vous êtes confinés. Mais par contre, waouh, le réseau 5G, eux autres, ils n'ont pas de virus, eux autres. Et que dire de Bill Gates qui, lui, nous dit pas de travail, pas de vaccination, pas de travail, pas d'implant, microchip, tu travailles pas. Lui, il nous dit ça. Mais par contre, ces usines de microchip qu'ils possèdent, ils vont marcher dans le tapis, eux autres. Si vous voulez travailler, allez vous engager dans les usines de Bill Gates. Vous allez travailler, vous ne manquerez pas de travail, vous allez être bien payé, puis il n'y aura pas de virus pour vous. Ça, c'est une chose qui est sûre. Alors, vous voyez ici, je donne un topo de tout ça. Et on nous parle que, ah, tiens, 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 au mois d'octobre 2019, quand la Fed est en train de sauver l'économie, quand on nous dit, attends la nouvelle lune, que la nouvelle lune passe pour falsifier dans la balance ou calibrer mauvais, de façon trompeuse dans la balance, eh bien, au 4 octobre, exactement après la fête des trompettes, eBay, Mastercard, Stripe, Visa, Mercado, PagoFollow, bon, ça se fait avec, c'est officiel, même PayPal est embarqué avec l'association Libra. Wow, bravo, je vais les applaudir, je suis bouche bée. Là, j'expose tout leur plan au complet. Alors, ici, le Seigneur donne une vision à Amos de panier de fruits. Alors, on nous parle d'un basket of currency. Un panier de fruits. Quel est le fruit ici? Eh bien, le fruit, c'est de l'argent falsifié dans la balance. Mais là, maintenant, je vais vous donner le punch de toute cette histoire-là. Après ça, je vais vous donner deux, trois autres notions avant de rentrer dans le code biblique qui va vous mettre en état de choc. Mais en état de choc positif parce que on ne se trompe plus. Il nous reste peu de temps sur cette terre. Le plan, on ne retournera pas en arrière. Rien ne va revenir comme c'était avant. C'est à moins de vous faire vacciner, mais il y a quelque chose de très gros et ce coup-là. En 2014, avec l'histoire de H1N1, ils ont fait un pas en avant. Ils ont reculé. Ils ont appris de leurs erreurs. Là, maintenant, ils reviennent. Ou ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont peut-être pas nécessairement reculé. Mais ils ont testé notre résilience à accepter jusqu'à où on peut accepter dans le fond des choses que normalement on n'aurait pas accepté en état de crise. Ils nous ont testé. Ça, je peux vous dire, parce que la crise d'H1N1, finalement, ça a été quoi? Un gros coup, un feu de paille. Pouf! Tout le monde paniquait, ça allait se faire vacciner, puis tout à coup, on n'en entend plus parler. Entendez-vous parler d'un mort d'H1N1, vous, récemment? Bon, là, je parle même pas de la grippe saisonnière, mais par contre, tout le monde meurt du coronavirus actuellement. Vous vous faites écraser par un gros camion, vous testez que vous êtes mort par le coronavirus. En fait, le Seigneur a voulu que j'aie une compagnie en microbiologie, comment on appelle ça, biotechnologie, et j'ai été associé avec un des plus grands chercheurs dans ce domaine-là. Qui s'appelait Mitan Arya, qui est un monsieur qui vivait en Inde. Il était en chef de tous les départements des grandes universités de microbiologie et de ces choses-là. Il m'a expliqué comment les virus fonctionnent, les bactéries. Et puis, je peux vous dire une chose. Je veux dire, écoutez, je ne dis pas que le virus n'existe pas, mais si vous avez eu le coronavirus il y a 10 ans, ça a passé pour un petit rhume ou une petite grippe. Et que vous vous faites renverser par un camion, vous mourrez parce que vous êtes écrasé sur une grosse benne à ordures, un gros camion. Eh bien, s'ils font un test de votre ADN, de vos
de vos anticorps. Ils vont trouver que vous avez été, dans le fond, en contact avec le coronavirus. Ils peuvent dire que vous êtes mort du coronavirus parce que vous l'avez, vous avez déjà été en contact et on peut faire des tests. On peut prouver qu'une personne a le coronavirus. Donc, quelqu'un qui a un problème de santé, qui meurt d'une crise du cœur, a peut-être eu le coronavirus il y a 3 ans, peut-être il y a 6 mois. Et on peut trouver les traces des anticorps. Donc, allez vous faire tester, oui. Mais c'est pour ça qu'ils vous disent, avez-vous de la température? Les chances sont que vous l'ayez eu au moins, je dirais, 80% de la population a dû être un jour, si vous avez 20 ans et plus, là, vous avez quand même l'existence, même plus jeune. Vous avez sûrement été en contact à votre insu du coronavirus qui a passé soit pour une petite grippe ou un rhume. Et donc, je ne dis pas que c'est la même version de coronavirus qu'on a actuellement. Ce que je vous dis, c'est que dans la famille des coronavirus, vous allez tester positif. Bref, on va revenir à mon sujet de prédilection. Vous allez calibrer les balances d'une manière trompeuse. Alors, ici, c'est l'association Libra. Devenez un partenaire Libra. Rejoignez l'association Libra. Un réseau de partenaires, toutes les grosses compagnies. Gardez ça. Je vais vous le mettre sous le descriptif, que vous ayez ces informations-là. Responsabilité, gouvernance, mise en œuvre, stratégie. Une alliance pour remanier les transactions mondiales et abolir les frontières financières. PayU, Libra offrira des services financiers exclusifs à des milliards de personnes. Ouais, voyez-vous, là? Ben, si vous ne croyez pas que c'est la monnaie qui va venir, ben, vous l'avez ici. Mais attendez, je n'ai pas fini de vous expliquer ce qu'est Libra. C'est important que vous ayez cette notion-là, ça va être clair dans votre tête. Quand je vais avoir fini de fermer le clou, là, vous allez l'avoir, vos preuves. L'association Libra souhaite collaborer avec des organisations pour réinventer le système monétaire et transformer l'économie mondiale. Et oui, transformer, la Bible vous le dit, pour tromper. Alors, messieurs de Libra, hein, le président de Facebook, hein, on sait que c'est la CIA... toutes les sociétés secrètes sont derrière ça. Bon, pour découvrir les exigences techniques et les critères d'évaluation liés à l'exécution d'un nœud de validation pour un secteur donné, cliquez ici. Je vais vous laisser faire ça. Sérieusement, j'en ai déjà assez juste de lire ça. Ah, Média, Vision, Association, Développeurs, Partenaires, Apprendre, Média, etc. Écoutez, vous devez savoir que Libra est associé à Calibra. Wow! Vous allez calibrer les balances pour tromper. Libra, Calibra. Un portefeuille connecté pour un monde connecté. Tic, 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 95 et 31, Libra. Oh, c'est-tu le fun? Regarde un beau sourire. La personne est tellement heureuse. Et c'est tellement pratique pour tout le monde. Oui, vous avez ici tout le monde. Hey, je ne commencerai pas à vous faire une chanson, je chante très mal. J'ai vraiment pas. C'est pas un don que j'ai. Alors, tout le monde est interrelié. Et comment vous voulez relier toutes ces personnes-là ensemble de façon facile? Eh bien, la vitesse de connexion. Si vous étudiez, ou ceux qui avaient étudié le 5G, vous allez voir tout ce qui peut être connecté, des appareils, les frigidaires, les horloges, si vous avez un thermostat central que vous pouvez, avec votre téléphone, contrôler à distance, eh bien, le 5G, eh bien, ça va devenir une arme extraordinaire, un outil. Et évidemment, en passant, c'est un programme militaire. Le 5G, c'est des basses fréquences, et les basses fréquences sont extrêmement dangereuses pour le corps humain. Et je vais vous faire référence à un projet, prenez ça en note, le projet GWEN. G-W-E-N. Le 5G est le père, si vous voulez, du petit enfant qui s'appelait le projet Gwen. Et c'était un projet militaire qui était top secret pendant des années de l'armée américaine, de communication basse fréquence, de haute puissance, dans le but de pouvoir communiquer même en état de retombées radioactives et de chocs électromagnétiques. Alors, les ondes
radio ont de la misère à traverser les ondes électromagnétiques sur une bombe nucléaire qui explose même à 100 km de vous. Vous allez avoir énormément, toutes les communications vont être brouillées. Par contre, avec le projet Gwen, ça lui permettait de passer à travers les ondes électromagnétiques créées par la décharge radioactive et puis de pouvoir communiquer à distance. Sauf que c'était des puissances énormes et de la basse fréquence. La basse fréquence, en communication, c'est des ondes qui ont tendance à suivre la surface, si vous voulez, de la morphologie de la planète. Alors donc, ça voyage mieux, puis ça traverse d'autres ondes. Le danger, c'est que on est très proche des ondes qui vont affecter la santé humaine. Et je vous le dis, c'est extrêmement mauvais. Ça a été abandonné et il y a eu beaucoup de choses controversées au niveau du projet Gwen. Il a été abandonné et là, ils reviennent avec une technologie supérieure et des puissances accrues. Alors, imaginez si l'argent devient numérique. Hey, tout le monde est heureux. Hey, vous, le monde sont heureux. Regardez ça. Il n'y a pas personne qui ne sourit pas là-dedans. Hey, regardez ça. Puis en plus, on voit, ils mettent des êtres humains comme dans des petites bulles. Je veux dire, les gens n'ont pas l'air idiots, mais ils nous prennent des idiots. Puis quand tu regardes les clichés de ces gens-là, ah, la technologie à mon service. Ah, oh Dieu, merci pour le Libra, Calibra. Imaginez que l'économie mondiale soit accessible à un plus grand nombre de personnes. Ah quoi, l'économie mondiale n'était pas accessible à tout le monde? En anglais, on dit « it sounds like fishy », c'est anguille sous roche. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ça ressemble à ça. Imaginez un nouveau système de paiement mondial sur un nouveau réseau international. Oh. Tous les gens, je vous dis, Facebook, Mastercard, ils ont tout embarqué, c'est déjà tout fait au moment où on se parle. Et le timing de l'annonce arrive justement, juste avant que la Fed commence à sauvegarder l'économie. D'ailleurs, tout l'argent qu'ils ont injecté, ils vont nous la redemander. Et les argents que vos gouvernements se dépêchent de vous donner pour vous aider vont endetter les pays de façon finale. Et donc, le plan il est décollé. Alors, Calibra est associé à Libra. Et la Bible vous dit quoi? Nous allons calibrer des balances. Autrement dit, Calibra, les Libra pour tromper. Vous avez exactement les deux entités reliées. Calibra va avec Libra. Les deux sont exactement là. Vous avez même le symbole de la balance ici. Et tout est maintenant montré. Et l'amour du Seigneur nous donne non seulement Calibra et Libra dans un même verset. Il nous dit que c'est pour tromper. Ils vont voler. Même le pauvre, ils vont lui enlever ses sous-vêtements. Ils vont nous laver jusqu'au dernier sou qu'on a dans nos comptes de banque. Ils vont nous voler nos fonds de pension, ils vont tout prendre. Et, eh bien, Dan est derrière ça. Alors, je vais entrer dans qu'est-ce que, rapidement, les Rothschild ont à voir là-dedans. Les Rockefeller sont des Juifs, je vais vous les montrer, mais je vais m'attarder plus sur la famille Rothschild, parce que les Rothschild, je vais vous en parler genre 2 minutes. Je vais vous donner des liens pour des documents que vous pourrez lire par vous-même. C'est des études qui ont été faites et des recherches par des gens. Ils ont relié la famille Rothschild jusqu'à la famille de la lignée de Dan. Et même le baron Rothschild a déjà déclaré qu'ils étaient la 13e, je pense, c'est la 13e lignée sanguine d'un groupe de famille royale. Et à l'intérieur de cela, ils se sont eux-mêmes proclamés des descendants directs de la tribu de Dan. Alors, tout est là. Tribu de Dan, Calibra, Libra, je vous montre tout actuellement à l'écran.